Salut à tous, salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de King's Bounty The Legend. Et bah voilà, comme promis, j'ai récupéré toutes mes troupes et on est devant le château de Carmag pour ramener à la raison, a priori, le... Alors comment s'appelle-t-il déjà? L'enfant maudit, NMN. Et donc allons-y directement lui parler. Donc il a rien de très intéressant déjà à nous vendre. Ça c'est, voilà, ça c'est quelque chose de fait déjà. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Eh bien, je passais par là, j'ai remarqué le château, je décide de m'y rendre, de vous rendre visite à vous, l'occupant de ce château. Allez-vous-en! Je ne vois pas le signe de Carador sur vous. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme vous. Allez-vous-en! Mais quel est ce signe de Carador? Carador est un grand guerrier, un grand général. Son armée va bientôt conquérir Elinia et ensuite ce sera au tour de Darion. Les ténèbres envahiront ses terres, le roi Mark sera destitué et moi, Enemen, je deviendrai le souverain de Darion. Ainsi qu'on me l'a promis. Ouais, j'ai entendu cette histoire à propos de la tombe de Carador et des orques. Au fait, quel rôle jouent les orques dans toute cette histoire? Ça ne vous regarde pas, ni moi d'ailleurs. Vous êtes encore là? Je vous ai ordonné de quitter mon château. Mais j'en ai pas encore fini. Par conséquent, daigne supporter ma présence un peu plus longtemps. Les moines te demandent de retourner à la lumière et d'abandonner les ténèbres qui ont absorbé ton esprit et dévoré ton âme. Regarde-toi, tu es devenu émacié et tu t'es aigri. Pourquoi veux-tu devenir roi? C'est bien mieux d'être un homme heureux. Encore ! Ces idiots n'ont donc rien compris. Les têtes de leurs frères et de ces chevaliers misérables qui s'engagèrent pour aider les prêtres du temple ne leur ont donc pas suffi, n'est-ce pas? Cette fois, je ne vais pas seulement leur envoyer votre tête, mais je vais leur envoyer aussi vos tripes. Préparez-vous à mourir. Ah, quelle impolitesse. C'est vraiment très mal élevé, fiston. Tu ne devrais pas parler de la sorte aux adultes et aux hommes très dangereux. Bon, bah vas-y, hein, lève tes zombies. Je vais jeter un œil à leurs tripes. Ok, il y a du people quand même. Il y a du monde. Il y a sacrément du monde même. Ok. Donc on a deux sorts. C'est ce qui paraît être le mieux pour le moment, celui-ci. Costaud, hein, ce petit jeune là. Et peut-être... Non, bah, je pense que c'est encore le mieux, hein. Ouais, on n'arrivera pas à tuer les 24. On peut rien contrôler. Alors, il faut être proactif du coup, hein. Comme toujours, là, ceux-là vont nous mettre très très cher. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Attention les mirettes. Hein. Je sais pas lesquels il faudrait faire en premier, sûrement. Bon, ça revient au même, de toute façon on va prendre très cher. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va peut-être baisser leur attaque. Comme ça. Voilà, on baisse l'attaque des 4. Très bien. Déjà, le fait qu'ils se transforment pas, c'est déjà un bon point. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à faire? Bon, le bidule, ça m'intéresse pas trop. Je préfère attendre pour l'orbe de glace. Peut-être le nuage toxique, mais... Une armure glotte sera mieux, je pense. D'ailleurs, on va peut-être la faire dès maintenant. On va la faire sur toi. De toute façon, tu risques d'être bloqué ici. Ok. Bon, c'est là que ça va piquer. Les deux groupes là, les deux groupes d'archers, ils vont faire très mal, je pense. Hein. J'espère juste qu'on va pas perdre un géant, ce qui serait le plus dommage. Bon, bah, ça c'est fait déjà. Et là maintenant, ça va faire très mal. Ok, ça va, ça. Je m'attendais à pire. Bon, 13 observateurs quand même, c'est beaucoup, mais je m'attendais quand même à pire. Ok. Pour le moment, ça va encore. Et bien sûr, ça serait pas un combat normal s'il n'y en avait pas un petit peu aussi pour les... Ouais, je pense que là... Là, il va falloir faire leur serpent de glace ici. Obligatoire, hein. On attaque là. Ok, donc on a assez de rage pour faire le... L'orbe de glace, donc on va la faire. On va se la mettre ici. Ouais, ça me paraît bien. Là, on va attendre.
Là, on va attaquer, je pense, hein. Faut être proactif. Parce que de toute façon, ils sont encore à corps, donc pas trop le choix. Et là, on va attaquer. On peut en taper deux d'un coup. Ok, ça se transforme. Ah, il va la taper, il va la détruire d'un coup. Non, ça va. Ça va. Lui, il va sûrement se transformer, par contre. Et il va aller la taper aussi. Et là, ça va faire mal. Non, ça va encore. On va taper les 10. Ok, ça va. Plutôt bien. Ça tient. Pour le moment, ça tient. Ok, parfait. Ça me va. Là, il va viser l'orbe parce que c'est exactement ce qu'ils font à chaque fois. Ça, c'est très bien. On a gagné un tour, en gros. Et c'est une bonne chose, hein. C'est une très grande chose. Parce que les observateurs, je pense qu'on n'en aura plus d'ici la fin. Là, pour le coup, ça sert à rien d'être proactif. À part perdre toutes les unités. Ah, ça fait mal. Très très mal. Ok, bon, ça c'est une bonne chose. Maintenant, il s'agirait de faire des dégâts, des gros dégâts. Je pense que ça va être encore une fois ici le meilleur plan. Parfait. Et là, je pense qu'une petite épée écrasante ici, c'est ce qui sera de mieux. Bon, je pensais pas que ce combat serait aussi compliqué. Je pensais pas qu'il y aurait autant de troupes. Je me souvenais que c'était compliqué et vous voyez que j'ai bien fait de pas m'y engager avant. J'ai bien fait de pas m'y engager avant parce que je serais juste tout simplement mort. Hein. Y a pas 36 façons de le dire. C'est bien que les géants puissent encaisser là pas mal parce que ils encaissent même très très bien. Ouais, je pense qu'il faut attaquer les archers, c'est eux qui vont me mettre le plus mal. Là, si je me recule ici. Ah non, c'était bête ça. C'était bête. Mais c'est pas grave, tant pis. Je voulais avancer ici plutôt. Ouais, c'est pour les archers, hein. Voilà, c'est tout pour les archers. C'est bien, c'est qu'ils se bloquent entre eux. Ok. Ouais, on en perd beaucoup. On en perd beaucoup. Peut-être en se mettant là, on serait un peu plus safe. J'ai pas envie d'attaquer, hein. Je vais me défendre encore. Ouais, ça va être un combat compliqué. Ça va être un combat compliqué. Là, on a le repos partout. Est-ce que faire une flèche enflammée, c'est utile? C'est assez utile. C'est beau, c'est même pas mal. Ça baisse leur défense. Ils sont enflammés, donc ça, c'est très bien. Peut-être en me mettant là, je pourrais contrôler un peu mieux la zone. Donc là, du coup, personne ne peut passer. Ouais, c'est bien, il encaisse très très bien. Ouais, bah ça, c'est top. Bon, je vais pas faire grand chose, mais ça sera déjà ça de prix. 25, hein, c'est quand même 25. On prend, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense qu'on va donner la défense à. Bah, à moi. Hein. Je pense que c'est déjà bien. On va s'avancer. Et peut-être que là, on aura le. Ouais, on a la flèche entière, ça c'est top. Ok. Est-ce qu'on tue les deux? Est-ce qu'on tape les 18? Est-ce qu'on tape les 32? Je serais presque plus chaud pour taper les 32. Un bon crit là, ça fait plaisir.
Parce que dans un sens, je crains rien. Et en même temps, comme ça, du coup, j'ai pas... Eux, ils sont bloqués, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Bon, on va finir par les perdre tous, hein. Mais c'est pas grave, hein. Pas trop le choix, hein. C'est eux qui vont être les souffre-douleurs de... Ouh, ça, c'est bien. Ça veut dire que je vais pouvoir attaquer avant. Ouais, les boucliers qui font bien leur effet. Ok. On a l'armure glotte, si on veut. Parce que je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Si, on pourrait. On aurait peut-être un bon poisson maléfique en le mettant genre comme ça. Ah ouais, c'est même très bien. Ouais, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire même. Ouais, ça touche pas mal de monde là. Ouais, c'est très très bien. On a un super... Si on se met comme ça, on en touche beaucoup. Bon, tant pis, on touche pas les archers, mais on peut pas tout faire. Hein. Ok. Là, on va se remettre dans le fond et on va attaquer les archers, par contre. On va se décaler. On va... On va te décaler, toi. Comme ça, on va pouvoir se mettre devant avec eux et bloquer le passage et toucher les deux. Voilà, ça c'est plutôt un bon truc. Plutôt une bonne action. Bah là, on va faire ça. Hein. Pas trop réfléchir, ça fait un peu de dégâts sur les archers. Qui sont toujours ma cible principale. Ok, bon, il va encore m'en enlever 2-3. Ouais, toujours, hein. Décidément. Ouais, 5 observateurs. Bon, bah voilà. On sera bon pour acheter des observateurs. Hein. Et des alchimistes. Un peu de tout, hein, de toute façon. Bon, après, c'est bien. Hein. Franchement, le géant aura fait le travail. Hein. Il aura fait le travail bien comme il faut. Hein. On va remettre l'orbe. Juste pour se protéger du dernier coup. Une flèche enflammée même. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, il en reste plus qu'un, donc maintenant, ça sert plus à grand chose. Hein. Ça sert plus à grand chose, la bébête. Est-ce qu'on serait pas plutôt ça, même d'ailleurs? Ils vont réattaquer avant. Ça, on s'assure qu'ils font rien de très, très grave. On va se mettre là, on va essayer d'attaquer les deux. Hop, voilà. Très très bien. Là, on va attaquer les trois, je pense. Hop. Terminé. Alors maintenant, ils vont reculer et ils vont attaquer la boule, ça c'est sûr. Non, ils attaquent la boule directement. Bah très bien. Hein. Ou le crit. Ok. Bon, on s'en sera... plutôt bien sorti, je trouve, pour un combat de cette difficulté. On a une petite lame écrasante encore. On peut la faire ici. Ça fait de l'XP. Surtout pour l'XP de nos rageux que je le fais. J'aime bien les appeler mes rageux. Et là, on va les terminer comme ça. On va pas chercher. De toute façon, tout notre mana, on va tout récupérer. C'était le seul combat qu'on a fait à faire dans la zone. Donc, pas trop de soucis. Oh mais non! Bon ça va, ça masse. J'étais tellement persuadé, mais j'ai complètement zappé que ça touchait mes unités. Bon ça va, j'ai tué personne. Ouais, 28 hein. Bon après hein... fait partie du jeu. Ah ça c'est bien. Alors, augmentation de la zone affectée, ça par contre c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Ouh! Plus un intelligence, un bâton. Bon ça on achète ça. Et on aura encore des futurs inquisiteurs ici. Donc pour l'instant, c'est des prêtres, mais... Merci, Forben, de votre aide pour avoir débarrassé le château du mal. Je vous remercie au nom du temple des âmes trépassées. Voici une récompense. Pas mal d'expérience, hein? Nous serons toujours ravis de vous accueillir au château Karmag, ou dans le temple des âmes trépassées. Nous allons vous soigner et vous apporter des troupes. C'est une super bonne nouvelle. Bah nickel, ça.
Du coup, est-ce que j'ai besoin de retourner au temple? Non. J'ai même pas besoin, hein. On va récupérer. Hop. Parce que bientôt, on a plus d'archimage aussi, hein. Plus que 52, c'est pas non plus... pas non plus fifou, quoi. On va pas aller très loin avec 52. Bon, on a quand même quelques combats, hein. Encore quelques épisodes avec les archimages, hein, je vous rassure. Hein. Mais bon, c'est pas tout de suite que... Alors attendez, le temple, c'est celui-là, du coup? C'est peut-être celui-là, on va aller voir s'ils ont des nouvelles unités, du coup. Non, on leur a tout pris. Et on va aller voir quand même... parce que je pense que c'était lui qui nous avait donné la quête, mais on va quand même aller voir la maison du paladin furieux. Ok. Très bien. Eh bien écoutez, c'est l'heure d'aller rechercher des unités. Et puis on va se faire le labo. Hein, ça me paraît bien, on va se faire le labo. Qui était dans les souterrains. Juste avant, je vais aller voir quand même rapidement si notre roi préféré a des choses à nous dire par rapport à l'avancée de la quête. En sachant qu'on a un cyclope ici. Ouais, non, bah, ça va. Les questions sur les îles de liberté, ça va, quoi. Ça va. Ça sera très intéressant aussi plus tard, mais je sais pas si on aura l'occasion de les utiliser, vu qu'on a l'air de s'orienter sur les nains, pour le moment. On a énormément de créatures naines. Donc on verra plus tard si on est intéressé par autre chose, mais je pense pas que ce soit le cas pour le moment, en tout cas. Parce qu'au niveau des quêtes à faire... tout se situe quasiment à Cordard, donc on est bon, hein. Je pense qu'on est bon, hein. Et donc la prochaine zone, ça sera soit la zone des démons, en prenant le portail, je sais pas exactement comment ça se passe, soit du coup, bah si, je pense que c'est ça, faut repousser les démons, et en repoussant les démons, on va débloquer le sous-marin, j'imagine, qui va nous amener à Elinia. Il a parlé du fait qu'il allait de temps en temps chez les elfes, donc je pense que c'est ça. Alors je sais pas dans quelles circonstances on va y être amené, mais voilà, donc c'est les derniers serpents, il y en a plus, ça sera les derniers. Il nous manque quelques alchimistes aussi et on sera au complet, et ça c'est pas un problème, on en trouve partout, on trouve partout chez les nains les alchimistes. Et voyons voir l'XP, on est à 12 000, un petit peu moins de 12 000, avant de choper le prochain niveau, donc encore un petit peu de travail. Quelques grosses quêtes, quelques gros combats. Voyons voir cet objet qui nous donne plus 10. Il est niveau bas. Donc pour le moment, ça va. Je serais chaud pour faire le château des Gremlins aussi. Au moins, voir ce qu'il y a dedans. Potentiellement aussi faire... C'est vrai que ça, c'est pas mal. Hein. Mais on peut voir quand même le bâton de pèlerin. Voir ce qu'il fait. Bâton de druide et bâton d'un grand druide. Voir ce que ça fait. Ça peut être intéressant. Je vois pas ce que ça pourrait faire, dégâts de nature, dégâts élémentaires. Je sais pas. On va voir. Hein. Ça se teste. Et je pense que ça se teste même maintenant. On va sauvegarder. Parce que quand même, ça serait dommage de perdre bêtement maintenant. Et on va utiliser le petit château, voir. Hé, faites attention, ne secouez pas le château, les colonnes se fissurent. Désolé, je voulais pas... Bah, je comprends maintenant, j'ai encore beaucoup à faire pour finir ce château, et si tous les géants le secouent, alors... mais qui êtes-vous? Mon nom est Ramsh, je suis un Gremlin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de nous, mais nous essayons de ne pas nous montrer. Nous, Gremlins, sommes les meilleurs spécialistes en mécanismes complexes et appareils. Personne n'en sait plus sur les appareils des nains que nous. Si nous démontons quelque chose, aucun ingénieur nain ne sera capable de leur monter. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est construire et réparer les maisons des Gremlins, comme ce château. Et quel est ce château? Quel est ce lieu, plutôt? Ben, vous ne le voyez pas, c'est un château. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un château ordinaire, mais d'un château gremlin. Nous, gremlins, sommes de petites créatures. De quelle autre façon pourrions-nous nous introduire dans les différents mécanismes? Par conséquent, notre château est petit, lui aussi. Ben, ce château est ma fierté. Je l'ai construit moi-même, de mes propres mains, brique après brique. Enfin, pas tout à fait moi-même. Mon frère Jamsh m'a aidé. Quand nous aurons fini de construire le château, Baramsh lui-même, le célèbre Gremlin Spoiler, vivra ici. Les Spoilers sont des Gremlins qui ruinent les vitesses de poids. Ce Gremlin n'est pas pauvre. Si seulement vous saviez tous les trésors qu'il y a dans le château, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de gardes aussi. Pourquoi les nains possèdent-ils votre château? Je ne sais pas, hein. Ils l'ont probablement eu par Baramsh, notre client.
Il a dû soit le perdre au jeu, soit offert aux nains comme cadeau. J'aimerais jeter un œil à votre château. Bien sûr, vous pouvez regarder, il y a un petit problème. Pour être plus précis, il y a un gros problème. Regardez-vous et examinez le château. Comparez les tailles. Bien sûr, notre Gremlins... nous, Gremlins, avons un sort spécial de rétrécissement pour des cas comme celui-ci. Mais ça n'est pas gratuit. Donnez 1000 pièces d'or, je vous rétrécirai et je vous laisserai entrer dans le château. Ah, très bien, faites-moi entrer. Ok, donc on est dans le château des Gremlins. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de se sentir aussi petit qu'une fourmi? Ne vous inquiétez pas, toutes les bêtes locales ne sont pas plus grosses qu'une mouche maintenant. Vous n'avez donc rien à craindre. Écoutez, je suis vraiment à l'intérieur de ce minuscule château. J'arrive pas à y croire. Ah, pas de doute, hein? Si vous voulez en savoir le cœur net, attendez simplement quelqu'un qui trouvera vos affaires, prendra le château et le secourra, alors vous verrez. Comment puis-je quitter cet endroit? C'est facile, vous n'avez qu'à me le dire et je briserai le sort qui est sur vous. En fait, c'est entièrement gratuit. Je vais encore me balader. Ok, entrée gauche. Fort. Légèrement plus fort. Tout ça, ça me paraît bien, bien jouable, hein. Ça me paraît très très jouable, même. Alors. Beaucoup de druides. Je pense que c'est eux qu'on va essayer de focus en priorité. Ouais. Des druides, des observateurs. Est-ce qu'on serait pas plutôt les observateurs, là, maintenant? Les 25 observateurs. Ça me paraît être une bonne idée, aussi. Les serpents, on peut attendre. Vous, bah nickel, on va prendre contrôle de ça et on va attaquer les autres. Ça fera de la zone en plus, c'est génial. Ah bah non, qu'est-ce que tu fais? Bah t'attaques de loin toi normalement. Bon bah tant pis hein. Tant pis. Allez, on tue les 6, comme ça c'est fait. Maintenant c'est que du... Ah j'allais dire c'est que du distance, non, parce qu'il y a encore les 11 druides, mais... Enfin, les 44 druides. Est-ce que ça avance vite, ces machins-là? Ça, la berceuse, chanson elfe, convocation d'épines. Ouh, ça va faire de la convocation d'épines, ça, je reconnais, ça. Ouais, ça, c'était sûr, ça. Ok. Bon, et puis là, une bonne... Ah ouais, eux, ça vole. Ok, ça vole. Très bien, très bien. Bon, ça va, ça devrait le faire, hein. Ah oui, du coup, ils attaquent en premier. Ok. Bon là par contre, c'est gentil les messieurs, mais c'est gratuit quoi. Fallait pas me faire ce cadeau. Du coup la chute de pierre est assez intéressante. Pour plus tard, surtout quand on aura des groupes de mages, là c'est peut-être un peu moins intéressant pour le coup. Mais je pense qu'on peut faire la petite boule de glace. Celle-là elle est chouette. Ok, ça fait des bons dégâts quand même. Ça fait des bons dégâts, mais... C'est du level 2, ça devrait pouvoir s'endormir, ça. C'est peut-être immunisé, hein. Fait des arbres planes. Non, c'est pas écrit, donc ça devrait être jouable. On va attaquer un petit peu ces machins-là, on va attendre. Toi, tu vas avancer. Ouais, puis tu vas attaquer, tant pis, hein. Je voulais essayer d'esquiver le... Mais tant pis, c'est pas grave, j'ai pas trop le choix. Je voulais lui faire esquiver le poison, mais c'est trop compliqué. Je préfère qu'elle perde du mouvement. Enfin, de l'attaque, plutôt. Pas du mouvement. Ok. Jusque-là, tout va bien. On a perdu un petit peu d'unité, mais ça va, on a perdu combien? 3 serpents royaux, hein, c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde. Là, on a une super ça, parce que du coup, ça ne touche pas, hein, pour rappel. Ça ne touche pas notre orbe de glace, donc ça, c'est super. Est-ce qu'on peut essayer de les endormir, eux? Ok, on peut pas. Là, en s'avançant, on peut les toucher, eux. Nickel. Ouh, un bon critique. Ça, c'est fait. Ok.
Ouais, 2 points de dégâts, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On a l'armure glotte qui pourrait être bien ici, là, sur nos. Qui sera même très bien, je pense. Parce que je pense pas qu'il va bouger de suite, lui. Et est-ce qu'on se finirait pas eux? Non, on va juste attaquer là. Alors, voyons voir combien ça fait. 134, ça va. Ça va même très bien. On a de quoi faire un serpent de glace. Ah, c'est dommage, il n'est pas excellent. Ce serpent de glace. Ok, ça crée encore des troupes. Est-ce qu'on peut t'endormir, toi? Ça serait bien, hein, encore. Non, toujours pas, hein. On peut peut-être essayer de te tuer alors. Ok, bon déjà t'es choqué. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup je pense que là on peut attaquer les deux. Ouais, ça fait des bons dégâts aussi. Hein. Ça fait plaisir. Et je pense que je vais m'écarter de là. Pour pouvoir faire une dernière. On a une épée écrasante. Ouais, je vais m'écarter. Tant pis, hein. Ok, il attend en plus, ça c'est top. Et du coup, là, on peut taper les 60... Enfin, les... On peut taper les dryades, plutôt, on est sûr. Et on peut taper là aussi les dryades. Avec une belle épée écrasante sur celles-là. En vrai, ça va, on n'aura pas perdu trop d'unités. Pour le moment, on a perdu que 3 serpents. C'est très bien, c'est très correct. Non, non, on attaque, hein. Ça fait des dégâts très corrects. Oh, une berceuse. Ok, ok. Ça, c'est étonnant, ça, une petite berceuse. Je pensais, eh oui, c'est level 3, je croyais que c'était level 4 ces unités, mais non, c'est bien level 3. Ok. Et du coup, on n'a plus d'unités au sol, donc ça ne sert plus à rien d'attaquer avec les tremblements. Là, on va faire des bons dégâts, là. Hop là, ouf. 1000 points de dégâts, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Tu vas taper l'armure, hein? Ouais. Bon, c'est parfait, ça. Ça fait pas de dégâts, ça. Ça, on aime bien. Alors, c'est qui attaque, là? Ouais, c'est toi. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? On a ça. On a le bidule. Bon, je suis pas trop envie de... gaspiller ma rage pour le moment. Si je peux éviter, je vais éviter. Et on va s'approcher. Je pense qu'au prochain tour, on va pas attaquer avec eux. On va juste attaquer avec les autres pour aller chercher le coffre. 2400. Ok, parfait. Voilà, c'est là où vous voyez un petit sort de résurrection. Ou un petit, je ne sais pas moi... des petits inquisiteurs là qui ressuscitent mes 3 serpents là, comme ça on serait tranquille. Ça ferait des combats sans perte en plus. J'aime bien les combats sans perte, c'est bon pour le moral. Parce que là vous voyez ça, c'est quand même dommage. C'est rien, hein. Pas grand chose, mais c'est quand même. Ça fait pas plaisir quoi. Bon, y a des choses à récupérer là quand même ici. Ouais, pas grand chose hein, pour le moment. Alors on va attendre, on va aller se faire ce combat quand même, je pense. Lutin très grand nombre, horde, ouais ça devrait le faire quand même. On va juste attendre, hein, on va pas... Ah il y a des flèches. Enfin parce qu'il y a des flèches, je pense qu'il va falloir suivre les flèches. Ça me paraît être le plus logique. On va attendre d'être full quand même. Parce que j'ai peur que si je prenne ça, je retrouve pas de suite l'entrée, enfin la bonne entrée.
Donc je préfère attendre, ça va pas prendre longtemps.76. Allez, encore un tick et normalement on est bon. Allez, bon, ça ira bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ça c'est les lutins. Ça c'est les observateurs. Oh là oui, alors ça il va falloir en faire quelque chose parce que on n'a pas autant et donc on va se faire contrôler. Ok, alors, ça en tue combien ça? Ça en tue 26. 3700, donc ça je pense que c'est beaucoup mieux. Donc maintenant on peut aller sur les lutins. Voilà. C'est vraiment mes deux. Voilà, bah ça en plus c'est génial. Du coup ils sont gelés, ils vont avancer un poil moins vite. Et encore heureux parce que... ça déconne pas. Ok, c'est dommage, on peut pas les contrôler. Cela dit, on peut contrôler ceux-là. Mais je peux peut-être essayer d'endormir les lutins. Je préfère essayer d'endormir les lutins d'ailleurs. Ah, ça n'a pas marché. Ok, bah du coup, full lutin. On essaye de tabasser tous ces lutins. On va baisser l'armure de ces observateurs. On va s'avancer ici. On va attendre. Ça va avancer vers nous. Ouais, ça fait, c'est dommage, ça en tue un quand même. 15. Bah non, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en vrai là sur ce combat. Pas énormément de choses. Peut-être un mur de pierre à la limite, en vrai. Un mur de pierre ici, pour protéger... ou une orbe de glace même. Peut-être mieux une orbe de glace. L'orbe de glace est sûrement mieux même, ouais. Ah, cette technomage, elle est très intéressante. Hein. Je pense que c'est mon préféré pour le moment. Parce que lui, il avance que deux cases. Oui, donc on était bon en fait, on avait même pas besoin de faire ça. Ok. Bah du coup, petite flèche enflammée, je pense. Et puis on essaye d'attaquer là. Ok, nickel. Ça c'est parfait. Là on attaque les observateurs. Alors où est-ce que ça attaque? Ouais, sur les mages bien entendu hein. Le grand classique. Et par contre les mages vont attaquer les gobelins. Et je pense que d'ailleurs on va se faire la petite fiole de poison sur les gobelins. Là on va avancer. Ouais, là ils vont prendre cher je pense par contre. Ouais, ça c'était sûr. Mais c'est pas grave, elle a fait son taf. Enfin, plus ou moins. J'aurais bien aimé qu'elle fasse au moins une petite attaque, mais bon, tant pis. Un nouveau serpent de glace ici sur les 207, ça me paraît bien. Et là, en se mettant ici, en attaquant. Parce que là, on n'a rien du tout en rage, hein, ouais. On va sûrement perdre encore des serpents, tant pis, hein. C'est la vie, hein. Non, attends, parfait. S'ils attaquent les géants, moi, ça me va, hein. Ça me va très bien. On va faire ça. Vraiment histoire de perdre le moins possible d'unités. Parce que je pense qu'ils auraient pu me faire mal, quand même, sur les serpents. S'il te plaît, attaque les géants. Je pense qu'il va attaquer soit les archimages. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attaquer maintenant le lutin. Et j'ai même pas perdu l'alchimiste. C'est génial ça. C'est excellent. Très bien, mais écoute, on va attaquer là, on va pas se faire prier. Hein. Petite épée écrasante sur les lutins. Ça me paraît bien. Voilà.
Il n'y a pas de mort vivant, on va juste s'attaquer ici. Là, on a un très bon saut. Ah, ça, c'est peut-être un peu dommage. Petit crâne empoisonné, là, peut-être. Ah, il faut espérer... Ouais, dommage, pas les meilleurs dégâts. Cela dit, ouais, je pense que, du coup, pas trop le choix. Bah, j'ai toujours le choix, tu vois, mais... Je pense que les 15 vont pas me tuer grand-chose. Je commence à avoir pas mal de défense. On va voir. 49, si, ça m'en tue un. Non, ça m'en tue même pas. Donc, j'ai fait le bon choix. Et voilà, ah ouais, on a perdu qu'un serpent, ou deux serpents, ou trois serpents. Peut-être trois serpents. Non, un archimage. Ah bah, c'est pas grave, ça. Je préfère, en vrai, je préfère perdre des archimages. Non, c'était pas là que je cherchais, c'était ça. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un coffre. Des pièces d'or. Alors, ça me met un truc ici, mais voilà, un petit coffre, génial. 6000 pièces d'or. De l'or. Bon, très bien, et bien, écoutez, passons à la suite, on va voir... Fort. Fort, on va peut-être récupérer avant. On va récupérer du mana. On va aller voir l'autre côté, tant qu'on y est. Oula. Ah là, c'est pas la même par contre. Les dragons noirs, avec... Une horde de chevaliers noirs, beaucoup de vampires anciens, des loups. Ah ouais, ça c'est pas pour tout de suite. Hein. Et si ça m'amène en bas, je suis pas dans. Je suis pas dans la panade. Hein. Donc on va aller dans l'autre sens déjà, voir. Tout à l'heure c'était jouable ce qu'il y avait. C'était très jouable même. Ouais, je pense que toi t'es. Toi t'es jouable. Voyons voir. En fait, c'est surtout ça. Résistance à la magie, corne de lumière, inflige des dégâts magiques. Ok. Les Ents. Invoque un nouvel essaim de guêpe. Ok. Ok, 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 ok. Ça me paraît plutôt bien. Bah, ça me paraît très bien. Hein. Ça en touche 4. Et peut-être on peut se faire la glace ici. Ben voilà. Très bien ça. Ok, à vous. Ok, ben ça m'arrange bien aussi. On va te commander d'aller taper là-bas. Ah, ça fait des bons dégâts quand même. Hein. En plus, du coup, toi, t'es bloqué. Ou ça, c'est... Je suis fort en planification quand même, hein, vous avez vu. Hein. Et tout à fait calculé, bien entendu. On a du coup un super... Super flasque de poison, là, qui en touche ben, 4, du coup. Mais qui aurait pu en toucher 5. Tremblement de terre, là, ça devrait donner pas mal de rage. Ouais, que plus 2, dommage. Un peu dommage, ça. Ok. 14. 14, ça commence à causer. Ouh, ça va faire très très mal au prochain tour, par contre. Il va pas falloir déconner avec les licornes, là. On est à 15. Est-ce qu'on se ferait pas le petit nuage toxique? Ou est-ce qu'on se ferait pas l'armure glotte? On pourrait se faire l'armure glotte. Je me mets ici. Ouais, mais c'est dommage parce que de toute façon, eux, ils vont attaquer. Donc, sinon, je fais ça. Parce qu'il se déplace de 4 cases. Si je le mets comme ça, il est... Ouais, mais je peux pas le faire avant. Je suis le dernier à attaquer et eux ils vont avoir une initiative de port du coup. Donc est-ce que je... Tant pis, je laisse mon attaque. J'ai pas le choix. J'ai pas envie qu'ils se fassent attaquer mes archimages.
Donc tant pis. Je passe mon tour. Ok, 182, ça picote, mais ça va. Ça picote, mais ça va. Ouh, parfait ça. Ça attend, ça attend. Ça, c'est génial ça. Ok, les dryades. Ça attend. Est-ce que ça serait mieux que ça soit. Attendez, attendez. C'est rien d'autre à faire. Ok, bon, ils m'endorment les serpents, ça me va. Super boule de feu en plein milieu là. Oh là, ça couche du monde là. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut t'endormir, toi? Ça serait bien si on pouvait t'endormir. Non. Ok. Ok, on peut pas t'endormir. Du coup, il faut absolument te tabasser ces licornes là. Ça va devenir critique. Elle tabasse fort ces licornes quand même, hein, je trouve. 16. Là, on pourrait faire le nuage toxique par contre. Le faire genre là, comme ça. Les piranhas sont peut-être mieux en vrai, mais. J'aime bien moi ce petit nuage toxique. Et une petite contre-attaque. 100 points de dégâts, ça va. C'est encore gérable. Ouh, ça picote, hein. Ouh là là. Ok. Ah, ça, par contre, c'est dommage, parce que du coup, lui, il était bloqué. Bah non, il était pas bloqué, il y avait déjà plus de Trent, donc ça va. Ok, bon, là, par contre, du coup, les 7 peuvent attaquer. Ok, très bien, ils se bloquent entre eux. On a perdu un seul alchimiste. Ok, on perd rien, je crois. Ouais, on n'a pas perdu. Ok, bon, là, ça va commencer à devenir problématique. Mais après, c'est à nous. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas mal, mais c'est pas fou. C'est pas mal, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Sinon, je pense que ça, c'est le mieux. On a le bidule qui peut être intéressant ici. Et j'espère qu'il va me soigner. Vraiment, je prie. Je prie très très fort. On peut même se reculer encore d'une case. Et attaquer ces... Absolument, il faut absolument attaquer ces licornes. Hein. Tabasse, hein, ces licornes. Hein. Et là, on peut se reculer, attaquer les deux licornes. Ouais, ça c'est bien. C'est excellent même. Et là, hop. Ok, parfait. Bon, c'est pas trop mal. Ah non, il fallait... Ok. Parce que là, j'ai peur d'en perdre un. Ok, ça va. C'est là, j'ai peur là. Ok, très bien. Non, très bien. C'est une bonne chose. Oh non, ça va faire mal. Oh, à 280, j'en perds un. Ouais, j'ai perdu un géant. Ah, ça c'est embêtant, ça. Ça m'embête beaucoup. On va sortir du coup, on va aller rechercher un géant, on retournera plus tard. Hein. On a d'autres choses à faire. Ouais, on va taper C11, de toute façon elle nous sert à rien maintenant. Elle nous fait gagner un peu de... Un peu de rage. Parce que de la rage, là on en a. Après avoir perdu un géant. Et ça, là, ce bidule, là, pourquoi tu soignes pas en priorité? C'est nul. Faut soigner. Et puis du coup, en plus, elles vont avoir... Ah, tant pis, il faut faire la boule de feu ici.
Tant pis. Oh là là, je rate en plus. Oh, c'est dingue ça. Ouais, il va falloir améliorer ce bidule, hein. Le bidule, il est bien, mais en même temps... ouais, parce que là, je vais prendre... Ah non, ça va. Encore heureux, hein, qui fait ça, hein. Ouh là là. La petite flèche enflammée, ça les tuerait tous, mais... Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a, là? On a l'épée écrasante, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais en même temps, on n'a pas grand-chose d'autre, hein, donc... On n'a pas trop le choix non plus, quoi. Oh, ça rate encore. Ma parole. Ah, je pense que si je m'étais mis là, que j'avais attaqué là, j'aurais touché les trois. C'était un bon point, ça. Un bon point pour moi. Tant pis. Et là, peut-être que j'attaque en premier, du coup. Elles devraient plus avoir la chanson. Si, elles ont encore la chanson, hein. Et là, par contre, elles ne l'ont plus. Et là, je peux faire du dégât. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire, là? Un autre bidule, ça sert à rien, un autre bidule. Mais il est déjà plus là. On va se faire l'orbe de glace, hein. L'orbe de glace, elle fait le travail, hein. Elle est efficace, cette orbe. Je pense qu'on va attaquer plutôt les dryades du fond. Ok, bah on les endort, très bien. Du coup, les 51. Les 39. Re les 39. Oh, ça rate, hein. Décidément. Ok, le bon critique. Celui-là, il fait plaise. Bon, bah, on aura perdu beaucoup plus de troupes que ce que je voulais. En perdant un géant, on perd beaucoup plus de troupes que ce que je voulais. Hein. Rien que ça, c'est... Une grosse perte quand même, c'est dommage. Ouais, un géant. Hein. On va pas le récupérer, hein, ce serait trop beau. Ah non. Hein. Ouh, une rune d'esprit. Oh bah ça c'est bien ça. Une rune d'esprit. Des drapeaux de commandement. Ça c'est très très bien aussi. Et c'est tout, y a pas d'autre porte. Hein. Ok, ok. Donc effectivement, il nous reste que l'autre endroit. Et clairement on n'est pas prêt pour l'autre endroit, ça c'est sûr et certain. Cela dit, attendez, est-ce que je suis passé par où moi tout à l'heure? Château des Gremlins. J'ai fait ça? Ah non, j'ai pas fait ça. Légèrement plus fort. Je sais plus par où je suis passé déjà. C'est dingue ça. Ah non, je suis pas du tout passé par là. Ah oui, donc il nous reste encore beaucoup de choses à explorer quand même. Hein. Prenons toujours à gauche. Voilà, très bien. Je veux sortir. Please. Oui, je veux en aller. Ouf. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, sur ce, je crois qu'on va se laisser là. On reviendra. Et avant de retourner au château des Gremlins, on va aller faire le laboratoire. Cette fois, c'est sûr. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.